Bonjour, pendant cette séance de lecture, sixième année primaire. On va étudier et comprendre le texte qui s'intitule Les parapluies, à la page 81. Module 5. Prenez la page 81. Ou la page 81. Les numéros 80. Les parapluies. Il y avait une fois deux voisines. C'étaient de jeunes demoiselles. L'une était blonde et s'appelait Estelle. L'autre, qui était brune, répondait au nom d'Irène. Chacune avait un jardin qui était très grand. Le jardin était séparé par un mur. Par un mur. Un jour, Estelle dit à Irène par-dessus le mur: Dans votre jardin poussent beaucoup de légumes et de fleurs. C'est parce que vous êtes une sorcière. Vous ne savez pas travailler dans votre jardin, lui répondit Irène. Voilà pourquoi vous ne récoltez presque rien. Je me donne beaucoup de mal, ajouta Estelle. Mes carottes ne veulent pas être plus longues que mon petit doigt. Mes dahlias ne veulent pas pousser plus haut que les pâquerettes. Mais vos choux-fleurs, à vous sont obèses et vos rosiers vont bientôt grimper jusqu'au milieu des étoiles. Avez compris qu'Estelle était jalouse. Elle avait pris le parti de ne plus jamais parler à Irène. Seulement, elle lançait par-dessus le mur toutes sortes d'objets pour faire enrager sa voisine. Elle pensait qu'Irène se mettait en colère et que ses légumes seraient tellement dégoûtés qu'il refuserait de passer, de pousser. Irène ne disait rien, elle ne pouvait pas prouver que c'était sa voisine qui causait des dégâts dans son jardin. Un jour, elle lui dit: J'ai fait contre le mur un tas avec tous vos débris. Quand le tas sera aussi haut que le mur, il vous arrivera malheur. Deuxième page. Le lendemain matin, Estelle aperçut dans son jardin des parapluies ouvertes, ouverts, piqués dans la tête par le manche. Ils avaient poussé la nuit comme des champignons. Estelle voulut les arracher, mais n'y parvint pas. Comme s'ils avaient pris des racines profondes, accablée d'honte, elle éclata en sanglots, regrettant le tort qu'elle avait fait à sa voisine. Donc, on va relire le texte, on va comprendre ces mots. Donc, prenez la première page. Les parapluies. Il y avait une fois deux voisines. Deux voisines, c'est-à-dire qui habitent l'une près de l'autre. C'était des jeunes demoiselles, sont pas des dames, elles sont des demoiselles. L'une était blonde, c'est-à-dire ses cheveux sont jaunes ou rouges et ses yeux sont verts. Il s'appelait Estelle. L'autre qui était brune, c'est-à-dire presque noire, un peu noire, répondait au nom d'Irène. Elle s'appelle Irène, c'est-à-dire. Chacune avait un jardin qui était très grand. Les jardins étaient séparés par un mur. Donc, entre les deux jardins, il y a un mur. Un jour, Estelle dit à Irène par-dessus le mur, c'est-à-dire sur le mur. Donc, par-dessus, au-dessus.
Dans votre jardin poussent beaucoup de légumes et de fleurs. C'est parce que vous êtes une sorcière. Sorcière, c'est-à-dire qui change les objets. Par exemple, le verre en assiette, l'assiette en cartable. Ça s'appelle sorcière. Vous ne savez pas travailler dans votre jardin, lui répondit Irène. Voilà pourquoi vous ne récoltez presque rien. Donc, elle lui dit qu'il ne sait pas travailler. Je me donne beaucoup de mal, ajouta Esther. Mes carottes ne veulent pas. C'est-à-dire, je me donne beaucoup de mal, c'est-à-dire, je travaille beaucoup. Esther, mes carottes ne veulent pas être plus longues que mon doigt. Donc, elles sont petites. Mes dahlias ne veulent pas pousser plus haut que les pâquerettes. Donc, ces plantes ne poussent pas. Mais vos choux-fleurs, à vous, sont obèses. C'est-à-dire, très gros. Et vos rosiers vont bientôt grimper jusqu'au milieu des étoiles. C'est-à-dire, les rosiers sont longs, sont une grande taille. Vous avez compris qu'Estelle était jalouse. Elle avait pris le parti de ne plus jamais parler à Irène. Donc, elle ne parle jamais à Irène. Elle lançait par-dessus le mur toutes sortes d'objets pour faire enrager sa voisine. Donc, elle jette en dehors de son jardin, dans le jardin d'Irène, toutes les ordures pour faire enrager sa voisine, c'est-à-dire pour que sa voisine se fâche, s'énerve. Elle pensait qu'Irène se mettait en colère et que ses légumes seraient tellement dégoûtés qu'il refuserait de pousser. Elle pense que les plantes d'Irène ne poussent pas. Irène ne disait rien, elle ne pouvait pas prouver que c'était sa voisine qui causait des dégâts dans son jardin. Un jour, elle lui dit, « J'ai fait contre le mur un tas avec tous vos débris. Quand le tas sera aussi haut que le mur, il vous arrivera malheur. » Donc, Irène dit à Estelle qu'elle fait de ces tas, c'est-à-dire de ces ordures, un tas. Et lorsque les ordures ou le tas sera aussi haut que le mur, il vous arrivera, donc il arrivera malheur à Estelle. Deuxième page. Donc regardez, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour obtenir plus de vidéos. Deuxième page, le lendemain matin, Estelle aperçut, c'est-à-dire voit, dans son jardin des parapluies ouverts, piqués dans la terre par le manche. Donc elle voit beaucoup de parapluies. Il avait poussé la nuit comme des champignons, c'est-à-dire beaucoup. Estelle voulut les arracher, elle veut les arracher, mais n'y parvint pas. Donc les parapluies sont restées là, collées au sol, comme s'ils avaient pris des racines profondes. Accablée de honte, Estelle rougit de honte, elle éclata en sanglots, c'est-à-dire elle pleure, regrettant le tort qu'elle avait fait à sa voisine. Elle regrette ses mauvais faits, son tort à sa voisine. Donc, on va voir les deux images. Donc, la première image, c'est la première page. Regardez. Voilà. Et il y a, donc, voilà, c'est Irène là-bas qui est brune et l'autre, Estelle, qui est blonde. Regardez Estelle qui jette ses boîtes.
Elle regarde au-dessus des murs et elle jette les ordures, elle jette les boîtes. Tandis que Irène, elle arrose ses plantes. Regardez ses fleurs, comment elles sont jolies. Elles poussent bien. Et Estelle se moque d'elle, regardez, et jette les boîtes, c'est-à-dire jette les ordures. Deuxième page. Donc, il y a des parapluies qui poussent des ordures qu'Estelle a jetées dans le jardin d'Irène. Donc, dans son jardin poussent des parapluies qui sont collés dans la terre. Donc, c'est une punition Estelle. Donc Estelle est punie par ses mauvais faits. Donc, on présente le texte. Quel est le titre de ce texte? Première page en haut. Le titre de ce texte est Les parapluies. Quel est l'auteur de ce texte? Deuxième page en dessous. L'auteur de ce texte est André Dautel, du livre Le Bois Enchanté. Qu'est-ce qu'il y a des héros, des héroïnes? Oui, il y a les deux héroïnes. Estelle, qui n'est pas bonne avec sa voisine, qui est impolie, et Irène qui est polie, qui a un bon jardin. Donc, on a deux héroïnes. Irène, la brune, et Estelle, la blonde. Il n'y a pas de personnage secondaire. Quels sont les lieux? Les lieux sont les deux jardins. Voilà, on va voir dans la première page, donc les jardins, voilà. Il y avait une fois deux voisines, c'était des jeunes demoiselles, l'une était blonde et s'appelait Estelle, l'autre qui était brune, répondit au nom des reins, chacune avait un jardin. Il y a deux jardins, donc, qui étaient très grands, les jardins. Et séparé par un mur. Les moments. On a un jour, la ligne 18. Le lendemain matin, 23. Donc, un jour, 18. Donc, la ligne 18, on va voir. Voilà, 18. Donc, Irène ne disait rien. Elle ne pouvait pas prouver que c'était sa voisine qui causait des dégâts dans son jardin. Un jour, elle lui dit. Donc, il y a un jour, il y a le lendemain matin, la ligne numéro 23, deuxième page. Le lendemain matin, à la ligne 23, le lendemain matin, Estelle aperçut dans son jardin des parapluies ouverts piqués dans la terre par le manche. Donc, le lendemain matin. Maintenant, on va répondre aux questions. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Donc, on a expliqué quelques mots. Et si
Vous ne pouvez pas expliquer un mot, cherchez-le dans le dictionnaire. Je réponds aux questions. Qui sait bien s'occuper de son jardin? Estelle ou Irène? C'est Irène qui est une bonne dame et qui s'occupe bien de son jardin. Les rosiers et les dahlias poussent bien dans son jardin. C'est les lignes de 2 à 5. Regardez la première page. 2 à 5. Dans votre jardin pousse beaucoup de légumes et de fleurs. C'est parce que vous êtes une sorcière. Vous ne savez pas travailler dans votre jardin. Donc, c'est Irène. Donc, la première question. On va voir. Qui sait bien s'occuper de ça? Donc, c'est Irène. Voilà, on l'a vu. Donc, dans votre jardin pousse beaucoup de légumes et de fleurs, c'est parce que vous êtes une sorcière. C'est pas une sorcière, c'est Estelle qui dit qu'Irène est une sorcière, mais elle travaille bien son jardin. Deuxième question. Quelle est la réaction d'Estelle à la vue du beau jardin de sa voisine? Donc, elle est devenue jalouse lorsqu'elle a vu le beau jardin de sa voisine Irène. Donc elle est devenue jalouse. On va voir les lignes 11 jusqu'à 16. Elle est devenue jalouse et elle rejette les ordures dans l'autre jardin, dans le jardin d'Irène. Donc de 11. De 11 jusqu'à, regardez, 11. Vous avez compris qu'Esther était jalouse. Elle avait pris le parti de ne plus jamais parler à Irène. Seulement, elle lançait par-dessus le mur toutes sortes d'objets pour faire enrager sa voisine. Elle pensait qu'Irène se mettait en colère et que ses légumes seraient tellement dégoûtés qu'il refuserait de pousser. Donc, elle est jalouse, Esther. Troisième question. Estelle a accusé sa voisine d'être une sorcière. Penses-tu comme elle qu'Irène est une sorcière? Dis pourquoi. Non, Irène n'est pas sorcière, mais elle travaille bien son jardin. Quatrième, imagine une fin à ce récit. Donc, enfin, depuis ce jour, Estelle ne fait pas du mal à Irène. Elle s'occupe bien de son jardin comme Irène. Et elle a appris la leçon qu'elle ne fait que du bien. Elle fait du bien à sa voisine, à tous les voisins, et elle s'occupe de son jardin et en arrosant les arbustes et les fleurs. Je m'entraîne à la lecture rapide. Je trouve le plus rapidement possible dans le texte le nom de ces fleurs. Donc, des roses, des dahlias, et des pâquerettes. Donc, des roses, des dahlias et des pâquerettes. J'écris et je retiens les mots aussi. Bientôt, mon peu de temps. C'est presque le même sens. Bientôt. Bientôt, j'arriverai à la France. Dans peu de temps, dans un peu de temps, dans peu de temps,
Il fera bien l'exercice. Passez à la page 82. Merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour obtenir plus de vidéos et suivre sur cliquer sur s'abonner pour se sur ma chaîne Faisal SLV. Et n'oubliez pas d'écrire correctement bientôt et dans peu de temps et d'attendre les vidéos de conjugaison grammaire et orthographe et la lecture aussi. Donc, merci bien et au revoir à une autre vidéo.